Toutes et tous, eh bien, on se retrouve pour la guidance intemporelle de ce jeudi 21 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensée positive de ce 21 novembre, de l'importance du physique. Il est important de se sentir bien physiquement pour se sentir bien dans sa tête. À méditer, encore une fois. Belle pensée positive, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse de mon cœur. Eh bien, cette belle fleur de la compassion atteint à présent ta vie. Elle te remplit, eh bien, de cette belle énergie nourricière. La compassion pour toi, ta situation, ton chemin de la vie, tes pensées, tes actions, ainsi que pour ton être, mais aussi pour toutes les étapes de ton développement. Alors, tu es actuellement traversé par cette énergie de l'empathie qui métamorphose tout. Plus profonde est cette compassion envers toi-même que tu éprouves en ce moment. Plus grande sera également la sensibilité que tu développeras à l'encontre de tout le vivant. Eh bien, aujourd'hui est le temps qui est venu. Cette énergie constructive, optimiste, eh bien, elle est à présent mise à ta disposition dans une large mesure. En fait, tu fais preuve de plus de compréhension à l'encontre de tes contemporains et de toutes les créatures qui croisent ton chemin. Tu t'immerges profondément dans l'énergie céleste d'un cœur compatissant et qui te guide sur le chemin de l'inspiration. Et sur cette voie, n'est-ce pas, eh bien, les énergies de l'amour et de la compassion inconditionnelle sont tes compagnons de route. Tu es à présent, eh bien, rempli de ces énergies créatrices, puissantes, afin que tu puisses emprunter eh bien, le chemin de ton inspiration. Et le défi aujourd'hui pour toi, eh bien, grâce à cette carte, n'est-ce pas, tu pourras te libérer des jugements beaucoup trop sévères que tu te réserves encore et toujours. Ne dit-on pas, nous n'avons pas le droit de juger, nous pouvons émettre une opinion. Accepte le concours de la fleur, de la compassion et plonge dans l'énergie douce et affectueuse du cœur empathique pour toi et les chemins de ta vie. Renonce, n'est-ce pas? Renonce au dialogue intérieur concernant ton insatisfaction avec toi et ton développement. Mais au contraire, emprunte, au contraire, maintenant, à l'aide de la fleur de vie, le chemin de la compréhension et de l'amour compatissant pour toi et ton destin. Alors la compassion, ça veut dire que vous n'êtes pas une éponge, on ne vous demande pas
de prendre sur les épaules tous les malheurs des personnes qui vous entourent, tous les malheurs du monde. C'est pas être une éponge et tout absorber. La compassion, ça vous donne, vous mettez une barrière pour vous préserver, vous, pour vous préserver de ne pas, côté émotionnel, tout prendre sur vous, être une éponge. Donc la compassion, vous mettez une barrière, vous êtes compatissant, toujours dans la bienveillance, n'est-ce pas, encore une fois, hein, toujours dans la bienveillance, la tolérance et l'amour inconditionnel. Donc la compassion, c'est très important, être compatissant vis-à-vis des autres et surtout ne pas être une éponge. Donc voilà pour la compassion. Et je termine avec le message de ton âme. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé se respecter. Et c'est important, n'est-ce pas, de se respecter. Pour respecter les autres, il faut premier se respecter. Et si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas respecter les autres. C'est comme si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Waouh, beau message, n'est-ce pas, de ton âme, et encore une belle guidance, encore une aujourd'hui intemporelle. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, s'il vous plaît, ça permet à l'algorithme de faire connaître ma chaîne, et je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un nouveau message, pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, et bien prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.